Donc là, dans la balnéothérapie, je demande à la dame de venir plier et tendre ses doigts. Donc là, c'est suite à une fracture de l'extrémité distale du radius, déplacée mais qui n'a pas été traitée par chirurgie. Donc voilà, là vous allez bouger vos doigts, madame, oui. Et vous allez aussi bouger le pouce. Voilà, super. Vous pliez, vous tendez le pouce, et vous bougez bien les doigts, et vous allez essayer, si possible, de commencer à bouger un petit peu votre poignet. Ah ouais. Voilà, alors, pliez et tendre le poignet. Ouais, voilà, super. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Allez-y doucement, d'accord? Faut pas que ça vous fasse trop mal. Donc là, le but, c'est de ramasser des petits objets pour inciter le doigt à bouger. Et dans l'eau, c'est plus facile, puisque on est en suspension. Voilà, et vous venez mettre dans le verre. Ça fait un peu Je l'ai trouvé, alors. Super. Comme c'est pas ça, hein. Non, vous connaissez pas ça. Oh, donc là, le but, ça va être de tout ramasser, d'accord, et de venir tout mettre dans le verre. Okay. Vous prenez le temps qu'il faut, ouais, d'accord. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas du tout pressé, ok. Le but, c'est juste de faire travailler vos doigts et de réintégrer vos doigts, d'accord, qui réutilisent, que vous en resserviez en fait, qui resservent à quelque chose, d'accord. Je constate que la pêche au canard a été superbement réussie puisque la dame a réussi à tout remettre dans le pot, donc. Félicitations, vous avez le droit à un Ferrero, madame. Merci.